Et bonjour, alors aujourd'hui, je vais faire quelque chose que je n'ai pas encore fait, je vais chroniquer un livre. Je vais essayer de m'y atteler. Vous avez vu dans le générique de la chaîne qu'il était prévu que des livres soient chroniqués. Alors je vais m'y atteler parce que je sais que ce n'est pas une tâche facile. Je vais essayer de ne pas être trop rébarbatif, d'être relativement rapide et peut-être de vous donner envie de lire. Alors pourquoi les livres? D'abord en deux mots. Les livres, je pense qu'aujourd'hui, en magie, on ne peut pas s'en passer. Je pense qu'un jour, je ferai une vidéo sur les gimmicks. On est envahi de gimmicks de toutes parts. Il sort des gimmicks tous les jours. On en verra quelques-uns ici, on en a déjà vu. Des choses qui sont pour la plupart du temps totalement inutiles, qu'on peut remplacer par tellement d'autres choses, qui coûtent souvent cher pour ce que c'est. Et voilà, enfin, dont l'inspiration de ces gimmicks est généralement puisée dans des bouquins plus ou moins anciens. Je trouve que c'est dommage qu'aujourd'hui on se précipite pour acheter des trucs tout frais, qui marchent quand ils marchent, et souvent ils finissent au fond d'un tiroir parce que c'est pas très intéressant, et qui surtout vous fournissent quelque chose de tout prêt, vous n'avez pas à réfléchir, vous faites votre tour, vous reprenez le texte tel qu'on vous l'a donné, on ne se casse pas la tête, hein. Alors évidemment c'est pas pour tout le monde, mais c'est souvent le cas, et la créativité elle n'est pas là, quoi. Je veux dire, moi je m'ennuie à faire ce genre de choses. Donc, les livres, la différence fondamentale, c'est que le livre, c'est comme un livre et un film, quelque part. C'est-à-dire, le film, il est tout mâché, c'est la vision du réalisateur. Le livre, si vous l'avez lu avant, il est fort probable que le film que vous verrez, vous l'apprécierez que moyennement, parce que il va manquer des choses, ou les choses que vous aviez imaginées ne sont pas là, ou ne sont pas comme vous les aviez imaginées. Dans les bouquins de magie, c'est la même chose. C'est-à-dire que le magicien qui écrit le livre va vous donner des pistes, va vous donner des chemins. Alors, pour avoir lu beaucoup de livres, j'ai pas la certitude absolue qu'il vous donne toujours tous les éléments. Il y en a certains qu'il va falloir aller chercher vous-même un peu plus profondément. Mais dans l'absolu, on va vous donner les chemins, les priorités, les choses à voir. Vous aurez les principales techniques, vous aurez tout ça. Et ensuite, à vous de mettre votre texte dessus, à vous de créer votre jeu de scène, entre guillemets, même si c'est du close-up, pour savoir ce que vous allez en faire. Là, le livre dont on va parler aujourd'hui, c'est Obsession. C'est le dernier bouquin de Luc Germet. Superbe livre. Enfin, quand je parle superbe, on viendra après sur son contenu. Mais superbe livre, quoi. C'est magnifique. C'est une couverture cartonnée. C'est du papier, c'est des pages glacées. Des photos tout en noir et blanc, magnifiques. Alors, vous me direz, on s'en fout un peu, c'est des photos. Mais enfin, moi, j'aime bien l'art en général, donc je trouve ça super beau. C'est édité par Marchand de Trucs. Je n'ai pas souvenir d'un bouquin de Marchand de Trucs de mauvaise qualité. Je parle pour l'instant toujours sur l'aspect du livre. Tous les bouquins que sort Ludo sont magnifiques. Magnifiques. Jamais d'erreur. Celui-là en fait partie. C'est un bouquin, donc, pour commencer, un bouquin superbe. Alors évidemment, les bouquins de magie, c'est pas le dernier Musso ou le dernier Lévy. Hein. Ça vaut un poil plus cher. Ça vaut 65 euros. Vous en aurez pour votre argent parce que quand on achète un livre, on a souvent plusieurs routines à l'intérieur. Si vous deviez acheter la même chose avec des gimmicks, ça vous coûterait probablement beaucoup plus cher et vous saurez que vous ne feriez que ce qu'on vous a dit de faire bêtement. Là, vous allez avoir des chemins, comme je l'ai dit tout à l'heure, des routes, et vous allez pouvoir, vous, aller beaucoup plus loin. Donc, Obsession, de Luc Germet. Un livre donc réservé, a priori, enfin réservé. Un livre pour mentaliste. Ça risque d'être peut-être... Alors, je vais revenir à essayer de ne pas être confus. Le principe, puisqu'en fait, tout ce livre tourne autour d'un principe que Luc Germet a développé il y a déjà quelques années, puisque le principe qu'il a développé, on le retrouve dans un de ses tours phares, un de ses tours références signature qui s'appelle « Le touche de Hoy ». Ce tour, il l'a créé, d'après ce qu'il dit lui, il l'a créé en 2000, et il a été publié, je ne vais pas y arriver, publié pour la première fois en 2002. Donc c'est quand même quelque chose de pas nouveau. Et quand on sait sur quel principe est basé ce principe-là, c'est encore beaucoup plus ancien, ça daterait des années 1600 et des brouettes, au tout début de ce qui s'appelle en magie, en cartomagie, la carte générale. Lui a développé ce système qui avait été déjà, à la carte générale, un petit peu aménagée par David Hoy, d'où le nom du tour qui s'appelle donc une touche de Hoy. C'est un hommage à David Hoy qui avait développé ça pour faire le Tausadat Deck. Mais j'irai pas plus loin ensuite dans ce que je vais en dire.
Mais ce qu'a fait à partir de ce principe-là Luc Germet est proprement hallucinant. Hallucinant, je pèse mes mots. Donc moi j'ai eu l'occasion de voir Luc Germet en conférence à Toulouse, c'était en janvier 2013, où il nous a expliqué une touche dorée. J'ai été assez fasciné par ce que j'ai vu. Je me suis plongé parce que Luc Germet a été très prolixe au niveau de ce qu'il a publié. Alors il a eu beaucoup de. J'ai énormément de livrets en anglais, des PDF, des choses comme ça. Il a publié des vidéos. Il a fait beaucoup de trucs chez Pingouin Magique au début, quand il était encore un peu moins tatoué qu'aujourd'hui. Ensuite, il a fait 3 ou 4 DVD chez des Vanishing Inc. Et il a fait un DVD si vous intéressez, si vous avez des problèmes. Alors tous ces DVD, bien sûr, sont en anglais. Les écrits sont pratiquement tous en anglais, à part au niveau livre, vous avez donc Obsession, qui est en français. Ludo, donc marchand de trucs, a publié Le Prophète, qui est en français. Il a publié l'anthologie 2 et 3 dédiée à Luc Germet. J'en oublie, ça peut-être ça va me revenir, mais j'en oublie. Enfin, rapprochez-vous de marchand de trucs, vous verrez, il a vraiment ce qu'il faut en français avec Luc Germet. Mais pour ce qui est en vidéo, tout est en anglais, à une exception près. La vidéo justement tournée, je crois que c'est dans les locaux de Marchand de Trucs, mais je n'en suis pas sûr, en fait, mais c'est édité par Marchand de Trucs, qui est traduite. Je crois que c'est Vincent Edan, là aussi, qui fait la traduction, qui a aussi fait la traduction de ce bouquin. Vincent Edan, mentaliste, dont vous pouvez aussi trouver les travaux. Et donc voilà, là vous avez un panel assez important sur Luc Germet, mais je pense que j'essaierai de faire quelque chose d'un peu plus spécifique sur lui, sur ce qu'il a fait. Donc si on en revient à Obsession maintenant. Donc Obsession est basée sur le principe de la carte générale que Luc Germet a renommé la personne générale. Je ne vous dirai pas grand-chose de plus sur les techniques, mais vraiment je vous conseille de lire ce bouquin, parce que vous verrez, c'est fabuleux. Et donc ce livre est divisé en 4 chapitres, en 4 parties, qui à part le dernier fonctionnent tous sur le même principe, mais sont des variations qui peuvent être enchaînées les unes aux autres, plus ou moins, mais qui peuvent être enchaînées. Mais en tout cas, vous avez plusieurs numéros qui se tiennent tout seuls pour faire des petits miracles, parce que des gros miracles, parce que franchement, il n'y a rien à dire. Donc sur la première partie du bouquin, qui s'est appelé Prémonition, vous avez donc l'explication d'une touche d'œil, vous avez une touche de divination, qui est encore une façon de faire différente, mais qui est vraiment fabuleuse. Vous avez, alors là par contre c'est très intéressant parce que vous avez les sources, d'où ça vient, tout est vraiment sourcé, détaillé aux petits oignons, c'est merveilleux. Ensuite vous avez un numéro avec une télépathie, qu'on va dire, faire de la télépathie, qui s'appelle Diffusion, qui est fait pour être fait sur scène, excellent, vraiment excellent. Vous avez donc la version scène, vous avez la version close-up, vous avez vraiment de quoi faire, c'est vraiment super. Vous avez une deuxième partie qui s'appelle Vibration, où là, il est avec une introduction, enfin une préface de cette partie-là de Max Maven, vraiment bien foutu, bien écrit, bon, en fait c'est du Max Maven, il n'y a rien à dire. Et vous avez une routine qui s'appelle Vibration, et qui est une routine de psychométrie. Alors, juste, je voudrais m'arrêter 2 secondes là-dessus, sur cette routine spécifiquement, puisque les autres, le touche d'œil, tout ça, on les connaît. En fait, si vous connaissez un peu le travail de Luc Germet, vous le connaissez. Moi, personnellement, la routine de psychométrie que j'ai vue dans le livre, je ne la connaissais pas. Pourtant, Dieu sait, comme je vous ai dit, que j'ai beaucoup de choses de Luc Germet. C'est une routine extraordinaire. C'est-à-dire, la psychométrie, vous savez tout ce que c'est. On reconnaît, on explique aux gens que les objets ont une mémoire. Quand on les a touchés, on peut reconnaître à qui ils sont. Les méthodes de psychométrie qui ont été développées à la base par Hahnemann il y a très longtemps utilisent des matériels qu'on connaît tous, des enveloppes, des poches, des sachets, etc. Là, la méthode qu'a développée Luc Germet pour faire un test de psychométrie est totalement différente, en étant la même. Ouh, il est fou, il nous dit des trucs, il est fou. Non, mais pour ça, il vous faut lire, parce que vous comprendrez, mais c'est génial. L'idée qu'il a eue pour adapter sa personne générale, son principe de la personne générale, une routine de psychométrie, est juste fabuleuse. Enfin, voilà, moi, alors vous allez dire, ah, t'es un fan. Oui, je suis un fan de Luc Germet. Alors, oui, je suis un fan de ce qu'il fait. J'ai pas aimé plus que ça le personnage quand je l'ai vu en conférence. Je l'ai trouvé assez hautain, assez froid. J'ai fait beaucoup de confs, j'en fais moins aujourd'hui, parce que
Les confs, ça ressemble plus à rien, ils sont là que pour nous vendre du matériel. Poum, au passage, j'en balance un peu. Lui, je ne l'avais pas trouvé particulièrement sympathique, mais par contre, ce qu'il fait est génial. Ce mec est génial. Donc, voilà, j'ai continué à suivre ce qu'il faisait en n'essayant pas de me rapprocher plus que ça du bonhomme. Bref, fermons la parenthèse. Quoique, on va la laisser 2 secondes ouverte. Vous allez peut-être retrouver à la lecture de ce livre ce genre, vous pourrez ressentir ça. Il y a des moments où on a la sensation, ou même s'il est très ouvert sur son lecteur, il y a quand même des fois, on a la sensation que c'est quand même Luc Germet, quoi. Il est un peu au-dessus. Alors bon, quand on connaît le personnage, quand on connaît le travail, c'est pas trop gênant. Enfin, moi, ça m'a pas trop gêné. Mais il y a des moments où, pour peut-être quelqu'un qui le connaît pas et qui va commencer par là, il peut trouver ça un peu hautain. Mais bref, enfin, franchement, passez au-delà et occupez-vous juste de ce qu'il écrit, c'est génial. Ensuite, vous avez une routine qui s'appelle, enfin, qui est une routine, c'est une folie à deux, qui est une routine de Pekatouch, inspirée du travail de Vanacek. Vanacek, là aussi, grand mentaliste américain. Là aussi, il a une utilisation de la personne générale pour faire cette routine qui est juste fascinant. Enfin, je ne vois pas d'autre mot, c'est fascinant. Alors effectivement, à la lecture du livre, vous allez dire « Putain, ouais, c'est bien, mais il fait toujours la même chose. » Le principe va rester le même, mais les adaptations qu'il en a faites à de la psychométrie, à une Pekatouch, enfin, franchement, c'est fascinant. Moi, je trouve que ce bonhomme, il a un esprit... j'aimerais bien pouvoir être à l'intérieur pour savoir ce qui s'y passe, parce que c'est un génie. Ce mec, c'est un génie. Enfin, à mon avis, c'est un génie. Donc voilà, ça c'est une routine de Pekatouch. Ensuite, vous avez le dernier chapitre qui s'appelle le test de Crowley. Alors là, par contre, bémol, c'est vraiment ce que moi, perso, j'ai trouvé la partie la plus faible du livre. Elle n'y aurait pas été, ça n'aurait pas gêné. Enfin, en tout cas, moi, ça ne m'aurait pas gêné au bout de deuxième ligne. Enfin, j'exagère, mais au bout d'une ligne de lecture de la routine, si vous avez fait un tant soit peu de mentalisme, quand je dis un tant soit peu, c'est un tant soit peu, vous comprendrez comment ça fonctionne, et là, la méthodologie est différente, vous comprendrez comment ça fonctionne, il n'était pas utile de mettre 6 ou 7 pages d'explication là-dessus, parce que, franchement, ça ne le méritait pas. Voilà, il fallait qu'il y ait un bémol, le bémol, il est sur le dernier, alors c'est à la fin, donc c'est pas gênant, parce que on a déjà bien absorbé tout ce qu'il y avait avant, c'est le test de Crowley, si vous y passez à côté, vous y passez à côté, c'est pas très grave. Donc voilà, je pense que j'ai été, comme d'habitude, un peu confus, un peu long, mais franchement, moi je vous conseille de vous diriger un peu vers le travail de Luc Germet. Et là, si vous ne connaissez pas Luc Germet, que vous êtes intéressé par le mentalisme, que vous avez quelques bases minimes de mentalisme, si vous avez pratiqué le Tausend Deck avec des cartes, vous pouvez commencer à lire ça, il n'y a pas de souci. Si vous êtes cartomane, vous connaissez, vous pouvez attaquer. Franchement, c'est un bouquin qui se lit tout seul, c'est du petit lait. Alors, deuxième petit bémol, il y a des répétitions, parce qu'en réalité, si j'ai bien tout compris, j'espère, en fait, ce sont des bouclettes qui avaient été éditées, des PDF, des choses comme ça, et qui ont été là, mis les uns derrière les autres au fur et à mesure de leur évolution. Donc il y a effectivement, par exemple, quand vous arrivez au test de Crowley, vous retrouvez la même chose que les premières pages du livre, qui sont réexpliquées avec les mêmes mots, c'est assez étonnant. On se dit quand même, là aussi, ils auraient pu le supprimer parce qu'on l'a déjà lu au début du livre. Donc il peut y avoir quelques répétitions, mais j'en reviens toujours à ce fameux test de Crowley, puisque c'est là où c'est le plus évident, c'est moins gênant. Donc, dans tous les cas, Obsession de Luc Germet, je vais lui mettre 8 sur 10, 8 pour les petites choses que je vous ai dit, à savoir le test de Crowley, quelques répétitions, quelques passages un peu. Donc je vais lui mettre 8, mais franchement, allez-y les yeux fermés. Si vous voulez faire un peu de mentalisme, alors lui, il définit tous ses tours qu'il explique là comme étant extrêmement faciles. C'est vrai qu'ils le sont, en technique, ils le sont, effectivement. Mais par contre, pour pratiquer, moi, la touche de Hoy, j'essaierai les autres, mais pour pratiquer la touche de Hoy, malgré tout, le fait qu'il soit excessivement simple techniquement, il demande un travail de mise en scène. Là, vous avez toutes les portes pour arriver à faire ce qu'il vous faut. Donc, 8 sur 10, difficulté. Je vais mettre 4 sur 5 malgré tout, parce qu'autant les techniques sont simples, c'est vrai que toutes les techniques sont simples, mais par contre, comme je viens de vous dire, ça va vous demander un travail important pour ce qui est de la mise en scène. Vous avez vu que les techniques sont simples, vous avez tout loisir de vous concentrer sur la présentation du tour, il faut vraiment se concentrer là-dessus, et il faut le faire, et c'est la partie souvent la plus difficile.
d'être un peu acteur, un peu comédien pour présenter ça. Donc je vais lui mettre 4 sur 5 en difficulté, parce que 5 sur 5, ça serait trop, parce que les techniques sont simples, mais il y a quand même pas mal de boulot. Donc voilà, c'était Obsession de Luc Germet. Vous trouverez ça chez Marchand de Trucs, aux éditions Marchand de Trucs. Il est peut-être distribué ailleurs aujourd'hui, je ne sais pas si c'est le cas ou pas. En tout cas, vous l'avez chez Marchand de Trucs. Je vous le conseille, amusez-vous bien avec ce livre, et on essaiera, j'espère que ça vous plaira, j'espère que j'aurai l'occasion, enfin, j'ai l'intention de refaire d'autres chroniques sur des bouquins. J'espère que ça vous intéressera et que j'aurai l'occasion de vous en refaire d'autres. Voilà, pour ce qui nous concerne, on va se retrouver bientôt pour d'autres aventures.